Bonjour, voilà une nouvelle leçon sur les attaques sur le roc, sur le sacrifice sur le roc, avec un point particulier, le point G6 et son équivalent G3 avec les blancs. Une première position avec Aliekhine Lasker, que du beau monde, Zurich 1934. Aliekhine donc avec les blancs, cavalier F5 échec, roi H8, dame prend G6 menaçant. Dame G7 mat est sur la prise ici en G6. Tour H3 échec, cavalier H6 qui s'interpose, seul coup, tour prend mat, la case G8 étant tenue par le fou, donc Aliekhine Lasker. Belenki Mesrovic, Leningrad 1980. Cavalier prend G6. Tour H8, ce qui fut joué dans l'article. Cavalier prend H8, échec. Roi prend H8, tour CE1 gagne. Une petite variante sur cavalier prend G6. Évidemment, il fallait voir dame prend G6. Tour E7, échec. Classique, on veut éloigner, dévier le défenseur de la dame G6. Sur roi H6, dame H4, échec. Et sur dame H5, tour E6, échec, qui gagne la dame. Et le mat n'est pas loin. Byrne Smyslov, Lugano 1968. Cavalier prend G3. F prend G3. Dame prend G3, échec. Roi G1. Dame H2, échec. Roi E2. Fou G3. Tout ça est très linéaire. Roi E3. Fou prend E1. Gagne sur dame prend E1. Vous avez dame prend G2 et un mat qui n'est pas très loin, surtout dû à la complète désorganisation des pièces blanches. Donc c'était Byrne Smyslov, on peut la revoir. Cavalier prend G3. L'autre coup serait peut-être d'enlever la dame, mais avec l'échec à la découverte, ce serait vraiment catastrophique pour les blancs. F prend G3, dame prend G3, échec, roi G1, dame H2, échec, roi F2, fou G3, échec. Roi E3, fou prend E1, dame prend E1, dame prend G2. Darcy Libanez, Buenos Aires, 1984. Donc fou prend G6, sur F prend G6, dame H8 échec, très joli coup, très spectaculaire. Roi prend H8 et le roi dans le coin se fait mater par tour F8, échec et mat. Sur fou prend G6, sur dame prend D4. On a un petit coup intermédiaire. Fou prend F7, échec ici et on récupère la dame après. Donc sur fou prend G6, nous avons une troisième variante sur H prend G6, tout simplement. H7 échec, roi prend H7, tour H4 avec une suite linéaire. Roi G8, tour H8. Dudka Chnovitsky, Svibodzin. 1977. Cavalier G6 échec. H prend G6. Dame H6 échec, pardon. Le pion G7 étant cloué par le fou A1. Bien dissimulé. Roi G8 avec une séquence de déviation très jolie. Fou G6 échec. Seul coup. Dame prend. Suppression du défenseur de G7. Tour prend F8 échec. Tour prend. Dame prend G7 mat. Donc revoyons. Cavalier G6 échec. Les noirs sont obligés de prendre sinon on capture la dame noire, comme vous l'aurez vu. H prend G6. Dame H6 échec. Roi G8. Fou E6 échec. Dévie la dame de G7. Dame prend. Suppression du défenseur de G7. Tour prend. Dame prend G7 mat. Ici sur roi prend, vous auriez dame prend G7 échec et mat. Fuller-Sidman, Chester, 1979. Cavalier G6, échec, très joli coup. Roi G8. Cavalier E7, échec. Roi H8. Dame H6. Tour G8. Et là, un très joli coup. Je vous laisse quelques instants pour savourer ce joli mat. C'est si rare. Et oui, Dame G7, échec. Tour prend G7. F prend G7, mat.
quelques petites variantes. Kg6 sur f.g6. On l'aura vite compris. F7 échec par le fou. En d4. Seul coup, dame f6. Fou prend mat. Très élégant. Kereny Balok, Hongrie, 1974. Cavalier g3 échec. H prend g3. 3h5 mat. La case ici, g1 étant tenue par la dame. On peut le revoir, c'est extrêmement classique. Cavalier g3 échec. H prend g3. Tour h5 échec et mat. Sur le refus, donc après cavalier g3 échec sur roi g1, nous aurions tout simplement tour prend c4 échec avec la dame en b6, dame d4 ou dame e3, suivi de dame prend e3 échec et mat. Quinteros Henley Longpine 1976, tour prend g6 échec, f prend g6, tour prend g6. Sur roi prend g6, fou e4 échec, roi g7, dame c7 échec, roi h8, dame h7, mat. Revoyons, tour prend g6, f prend g6, tour prend g6, roi prend g6, on verra le refus après. Fou e4 échec, roi g7, tour c7 échec. Bon, interposer ici la tour en f7 ne servirait à rien, donc roi h8, dame h7, mat. Tour prend g6 échec une dernière fois, f prend g6, tour prend g6, sur roi h7, tour prend f6 avec une position archi gagnante. Langeweg Jutescu, La Valette, 1980, fou prend g6 échec, roi prend g6, cavalier h4 échec, roi g5, tour g3, échec gagne. Bon, on peut voir hein, ici, si par exemple le roi prend cavalier, nous avons simplement dame prend f6 échec, roi h5. Donc sur tour g3, échec, dame, pardon, roi prend h4, dame prend f6 échec, roi h5, dame f3 échec, roi h4, tour g4 échec, si fou prend g4, dame prend mat, et sur roi h5, dame prend f7 mat. Une autre petite variante dans la position, sur fou prend g6, roi prend g6, on l'a vu, f prend g6, tour e7 gagne. Voilà une dernière position avec Kouras Chianowski, Kiev, 1984. Dame prend G6 échec. Le pion F ne peut pas prendre parce qu'il est joué par fou C4. Donc je peux vous marquer comme ça. Et sur H7 prend G6. Cavalier F6 échec. Roi G7. Tour H7 mat avec un très joli mat arabe. Voilà donc la présentation des attaques, de diverses attaques sur le roc avec le point spécifique G6 et G3. Bon travail et à une prochaine leçon sur les attaques sur le roi. Merci.